Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Voilà. Ah. Jonathan, je vais... Alors non, si on peut avoir une petite musique punchy en régie. Voilà, pour l'interview, tu préfères, je te propose deux choix. Okay. C'est plutôt facile. Et ben, il faut choisir un choix, voilà, il faut avoir une réponse. Et pour te mettre tout de suite dans le bain, Jonathan, tu préfères être le nez de Thierry Ardisson, ouais, ou le foie de Gérard Depardieu? Moi, je pense que je suis mieux à être le nez de Thierry Ardisson. Ouais, il a dû sentir de ses culs, à mon avis, lui, dans la vie. Non, mais je sais pas, tu te marres plus. Le foie, il doit être compliqué. Ouais, tu peux te marrer dans la poudreuse, quoi. Non, je crois que ça y est, il est clean maintenant, attends, tranquille. Il est hors piste. Non, alors que Depardieu, bon. Bon, maintenant, il a pas changé. Il est pas clean. Il est pas clean. La radio ou la scène, Jonathan? La scène, ça reste le fil conducteur. La radio, c'est vraiment un kiff. Mais si je devais faire qu'une chose et dans laquelle ça marcherait, je ferais la scène. Ouais. Toute la radio, ça fait longtemps. En fait, t'as commencé en web radio. Ouais. Web radio qui s'appelait Fréquence 3. Exactement. Vous voyez, les amis, on commence par la web radio. Bah ça oui, mène à tout. Ça mène bien sûr. Mais tout le monde a commencé comme ça. Et après, t'es passé par Move, par. J'ai fait Europe Ado d'abord. T'as fait Ado. Ado qui s'appelle Swig. Maintenant. Voilà. Move, Rire et Chanson et Europe 1. Voilà. Et puis maintenant, c'est RTL2. RTL2. Donc c'est vraiment un média que t'apprécies. Ouais, j'aime beaucoup. Je m'y sens bien. Et une grosse liberté en radio aussi. Ouais. Par rapport en télé. Non, c'est agréable. Et puis, moi, on m'a donné ma chance beaucoup plus facilement qu'en télé, puisque vous m'avez pas vu en télé. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. On t'a vu dans VTEP. Oui, on m'a vu dans VTEP. Parce qu'Arthur m'a laissé ma chance et qu'il a été très cool avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance vraiment ce jour-là. Voilà, il était très sympa avec moi. Et, bon délire. C'est bon délire. C'est prévu que je revienne. Donc, je suis content. Voilà. Bah, c'est chouette. Donc, surveillez-la. Ah oui, C'est Arthur qui produit ton spectacle ou... Non, pas du tout. Ah, bah il était vraiment sympa alors. Ah ouais, il produit d'autres spectacles, mais pas le mien. J'aimerais bien, hein. Franchement, s'il veut. Bah, s'il produisait mon spectacle, je peux te dire, mon gars, que j'y serais tous les vendredis, puis, je serais dans l'émission. Tu serais à Bercy surtout. Ah ouais, je serais loin. Hein. Jonathan, en équipe ou en solo? En équipe. Ouais, je suis un mec d'équipe moi, pour tout. La team, la famille. Non, mais c'est vrai, il y a des gens par exemple qui peuvent partir en vacances seuls. Moi, je suis incapable de faire ça. À qui je vais. Ouais. Salut! Ah, bah non. Tu parles à personne. Ah, non, je connais pas, non. Moi, il me faut une équipe tout le temps. Voilà, tout le temps. Jonathan, tu préfères être invité à un dîner de cons, mais sans le savoir et sans le découvrir. Ouais. Ou bien être l'hôte d'un dîner de cons et l'un des participants ramène ta meuf comme invité. Compliqué. Ah, toi, tu veux des bagarres, des trucs. Ah, bah, mon gars. Ah non, je préfère être moi l'invité d'un dîner de cons sans le savoir. Voilà. Le tu préfères, attention, celui-là est délicat. Grégory Hacher ou Justine Salmon? Ah oui, c'est la faute. Ah, mais ça, de toute façon, c'est coupé au montage. C'est coupé au montage. Mais ça, on choisit pas. T'inquiète, on n'est pas en direct. C'est comme direct, choisir t'inquiète. Entre mon père et ma mère, c'est la même chose. C'est tu la vois même chose. Oh, c'est mignon. Non, ça va de pair. Ça va de pair. Celui-là est délicat aussi. Baptiste Le Caplain ou Mathieu Madénian? Baptiste Le Caplain ou Mathieu Madénian, mais ça c'est pareil. Il y a l'un des deux qui a un très beau prénom quand même. Moi je. Ouais, Mathieu, c'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est très tendance, hein. Mais non, c'est pareil, tu choisis pas parce que c'est deux potes, c'est deux mecs que j'aimais avant de monter sur scène et que j'aime encore plus depuis que je les connais. Donc vraiment, j'adore les deux mecs. Non, tu peux pas choisir. C'est ton dernier joker, hein, là. Ah, c'est mon dernier, d'accord. Ah ouais, le prochain, je suis cuit. Jonathan, l'amour ou le sexe? L'amour ou le sexe? Je vais être très honnête et je vais dire l'amour. Sauvez, soigne. C'est bon. Non, pas mais... sur le canapé. Mais non, mais je suis. Bien sûr. Il y a quelques années, je sais pas si je t'aurais dit ça, mais je pense que c'est à un moment donné, tu te rends compte que ouais, si. Même si j'aime les deux, je veux les deux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais peut-être que je mets quand même l'amour au-dessus. Ouais. Animateur ou chroniqueur? Chroniqueur, animateur, vraiment à ce jour, c'est pas mon métier. Moi, je saurais pas faire ce que fait Grégory Hacher, par exemple, tous les matins. Je l'ai fait le 1er avril et j'ai pris la place un petit peu. Mais c'est très dur. Moi, je trouve ça mais fort. Mais c'est très dur d'être chroniqueur. Est-ce que tu peux nous faire un top horaire, par exemple? Non, c'est top horaire. Moi, j'ai même pas fait un top. J'ai fait un top horaire. Après, j'ai fait le sommaire et j'ai fait l'intro de la musique. J'avais 19 secondes d'intro. Fallait aller au bout et tout. Mais c'est même pas que ça. C'est que moi, mon métier à moi, ce que j'aime, hein, c'est faire rire. Donc,
Tu peux faire rire en étant animateur, mais t'as tellement de contraintes autour où tu n'es pas censé faire rire, bien sûr. Lancer les infos, faire l'horoscope, les trucs, tout ça. Donc voilà, c'est un métier à part et j'ai plus de kiff à être là et à envoyer de la vanne, en tout cas pour l'instant. Voilà. C'est pour ça que Martin est pas si drôle que ça. Voilà, c'est pour ça que moi je suis passé de chroniqueur animateur. Voilà, tu vois, c'est un leader. Un mec d'école de commerce. Mais Martin, c'est vrai que là, je suis d'accord, c'est chroniqueur, c'est mieux pour sniper. T'as voilà, plus de liberté, tu peux balancer. Mais après, tu vois, ça dépend. T'as des mecs, moi je pense que par exemple Camille Combal, c'est un mec marrant qui aime envoyer des vannes. Et il passera bien l'animation. Il l'a fait en animation, mais il est dans une émission où il peut se permettre aussi tout, tu vois. Il serait sur des radios où t'as des temps de parole beaucoup plus courts, et voilà, c'est plus compliqué pour t'amuser autant qu'il le veut, sûrement, j'imagine. L'équipe reste la même pour l'année prochaine ? Vous savez pas encore ? Bah, il y a de bonnes chances ? Alors, il y a déjà de grandes chances, et puis on le saura un peu plus jeudi. Oula. Jeudi, c'est les sondages qui tombent, donc yes. Les prévisions sont bonnes normalement. Sont bonnes. Voilà, parce que des fois tu t'entends un peu des trucs qui se passent, donc tu sais que les prévisions sont bonnes. Et donc on a hâte de savoir. Bon, le boss il nous a déjà dit, les gars, c'est bon, on continue. Vous fêtez ça vendredi soir. Voilà, on verra. Je sais pas ce qui va se passer encore, mais c'est prévu. Et puis alors évidemment, si bon le cinéma américain m'appelle, je serai obligé de faire une petite pause. Ah. Mais ils ont pas mon numéro, donc du coup ça va, c'est compliqué quoi. On peut leur transmettre si tu veux. Tu oui, n'hésite pas. Bah je donnerai à Tarantino. Oui, Michel. Valérie de son prénom. Valérie. Jonathan. Mathieu, on va moins rigoler là. Ah. Marcus Rashford ou Sergi Roberto ? Oh Marcus. Putain, mais t'es vraiment horrible toi. Mais moi j'ai ma petite idée. Non mais moi Marcus Rashford, bon c'est quoi, il est là, il tire son penalty. Merci. Il fait sa vie et tout ça. Sergi Roberto, c'est pour moi ça a été quand même plus dur à encaisser, Sergi Roberto le sixième but quand même. T'es ouais. Supporter depuis longtemps du PSG? Je pense que ça fait pas loin de 25 ans, je pense. Je pense que j'ai dû. Ouais, t'es tombé dedans. Ouais, peut-être. Non, entre 10 et 12 ans, donc un peu plus de 20 ans, je pense. D'accord. Que j'ai ça, ouais. Ça fait plaisir. Jonathan, vendredi tout est permis ou Burger Quiz? Vendredi tout est permis ou Burger Quiz? Bah, j'ai fait vendredi tout est permis, là, si j'avais le choix, j'aimerais du coup faire Burger Quiz, comme ça j'aurais les deux cordes à mon arc. Et Burger Quiz, c'est un rêve de gosse quand même, Burger Quiz, parce que tu vois, vendredi tout est permis, ça n'existait pas quand j'étais gamin. Mais Burger Quiz, il y a un truc où voilà, t'as envie de le faire quoi. Quand t'es humoriste, je pense que c'est un truc que t'as vraiment envie de faire, d'être là autour. Bah, c'est un peu le summum. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un rêve de gosse. Si t'as Chaba en présentateur, t'es là, t'es avec. C'est plus Chaba. Hein, oui, non. Mais s'il revient après il va revenir, c'est l'émission de Chabat, il est sur un film, mais t'es là, t'as Gérard Darmon, t'as Laurent Baffy, voilà. Toi t'es là, c'est... puis tu demandes à Marina Foïs de mettre un masque de Chabat et puis voilà, puis ça fonctionne, ça et puis voilà, avec ce genre de bien sûr. Non, c'est top, c'est top. Jonathan, il reste trois questions. Vas-y. La radio ou la télé? La radio ou la télé? Pour l'instant, de toute façon, c'est la radio. Mais c'est-à-dire, si tu me dis, ouais, tu quittes la radio, tu vas à la télé, je dirais, non, pourquoi vous voulez me faire des trucs bizarres? Si tu peux faire les deux, avec plaisir. Si je peux faire les deux, je fais les deux avec plaisir. Mais après, c'est pas à tout prix, par contre. J'irais pas prendre n'importe quoi en télé. J'ai eu des propositions, mais ça m'intéressait pas spécialement, quoi. Donc, moi, je voudrais un truc où je me sente bien, où je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Donc, bah, on verra si ça tombe grâce à toi, Martin, on sait jamais. Peut-être qu'on nous écoute. C'est si génial. Ouais, mon gars. Ça, c'est quand t'es cow-boy que tu salues tes compères dans le saloon. Salut, shérif. Dis donc. Ouais, tu m'en sers deux ce soir. Jonathan, c'est une question très importante. Là, il va s'agir de stratégie. Tu préfères garder Cynthia comme coéquipière jusqu'à la fin de l'émission ou choisir autre partenaire en face pour la fin de l'émission? Non, mais vous connaissez mal, moi je suis dans la fidélité absolue. Oh, c'est donc je changerai. Ah, oh, c'est beau. Impossible que je change, c'est normal. Ouais, on est là depuis le début, on se bat ensemble et on tout. On charbonne, on est là. Et je suis la seule à être allée voir spectacle. Là au spectacle. Alors que je me couche tard tous les soirs, que je me lève tôt tous les matins. Arrête de taper sur cette table. Ça va se casser à un moment donné, il y a des écrans qui marchent pas en dessous. Bravo. Et enfin, Jonathan, tu préfères ta fesse droite ou ta fesse gauche? Je préfère. Ah putain, j'ai aucune idée de ça. Alors, je te dis la vérité, elles sont pas très présentes dans ma vie. Ouais. Tu vois, si tu me vois de profil, c'est pas le truc qui te saute aux yeux. Tu vois, donc, j'aimerais bien qu'elles se bougent un peu le cul pour, je sais pas, se montrer un peu plus. J'aimerais bien avoir un vrai cul, tu vois. Un truc un peu mignon, tu sais, genre. Mais fais des squats, genre, t'es là en jean et puis on dit, pas mal, c'est un beau cul. Ouais, j'aimerais bien qu'on me siffle un peu dans la rue. J'ai envie d'être bonne. Ah, mais attends, tu crois que mon cul
plus, j'ai fait comment, moi? Bah ouais, bah je sais, ça c'est les week-ends ouais, d'intégration en école de commerce, ouais, ouais, là, quand tu picoles trop. Du non, coup, Martin, si c'est soir, bon. Si ce soir, on te dit. Martin, il a un cul. Tu préfères récupérer ton nez ou avoir un cul, tu dis quoi? Ah ouais, mais le nez, c'est bien quand même aussi. Hein. C'est bien pour eux. Non, mais pour bon. Renifler les culs, quoi. De toute façon, maintenant, j'ai plus besoin d'un cul, c'est, je suis en couple maintenant. Ça il est en couple, il a plus besoin de ça. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. C'était très bien répondu à l'interview. VL sur vl-media.fr et sur ton app.